Métro, hein? Chez Métro, qu'est-ce qu'on a? Ben, le bœuf haché Bimex. C'est la seule place qui a du bœuf haché Bimex cette semaine, puis c'est chez Métro. À 2,88 la livre, ou si tu préfères, 6,35 le kilo. Hein, là, c'est peut-être le temps de faire une bonne sauce à spaghette. C'est sûr que j'aime mieux, moi, du maigre, personnellement, que le mi-maigre. Mais parce que ça fait trop de gras. T'sais, moi, j'ai fait la cuire ça longtemps, là, se mariner ça, hein, avec des épices là-dedans, ma petite sauce à spaghette. Puis quand que, bon, c'est sûr que je n'arrêterai pas ou paierai pas le dos pour du maigre, là, ça, c'est sûr. Fait que si c'est du mi-maigre, je vais m'en contenter. Puis de toute façon, quand tu le laisses, t'sais, tout le gras fait sur le dessus, puis avec une cuillère ou une pipette, j'enlève tout le gras sur le dessus. Que ça revient au même. Hein? C'est juste que je calcule un peu plus de viande vu que je sais que ça va fondre et qu'il y a beaucoup de gras que je vais enlever. Là. Bon, c'est sûr. Fait que, écoute, ça, c'est ça pour chez Métro, pour ce qui est du bœuf haché mi-maigre à 2,88 la livre, ça peut faire 6,35 de kilo, je te répète. Ça a bien du bon sens. Aussi, qu'est-ce qu'il va avoir chez Métro? Le jeune dindon. Écoute, c'est marqué à partir du 1er avril. Comme, je sais pas si c'est pour le 1er avril, c'est une joke, je sais pas. Écoute, il est dans le circulaire en première page. J'imagine que si c'est à partir de. Hein? De tout de suite, là, jeudi, là, qui est en spécial, qu'on va pouvoir l'avoir parce qu'il était quand même pas cher, là, 1,29 la livre, ou tu peux faire 2,84 le kilo pour une belle petite dinde, là. Bien rôtie, là, juteuse. Ça peut être super bon. Puis encore là, ça c'est sûr que tu ne manges pas ça dans un souper, fait qu'il t'en reste, là. Tu peux te faire après ça bien des affaires avec. C'est comme du poulet, de la dinde, dans le fond. On s'entend. Puis je sais que dans la dinde, il y a encore un peu plus de protéines que dans le poulet. T'as dit ça de même, là? Ça peut être intéressant si vraiment là, la protéine, c'est important pour tout le monde, mais encore plus quand tu as 50 ans et plus. Là, si tu as le choix de manger une salade ou une protéine, ben, tu prends pas, t'as pas faim, mais tu manges la protéine, tu laisses faire la salade. Hein? Oublie pas ça. Aussi, chez Métro, qu'est-ce qu'on retrouve? Écoute, les os de cuisse de poulet désossés. Hein? Toutes prêtes. Avec pas d'os, pas de peau, pas rien. Ça, c'est sûr que c'est super. Normalement, on l'a à 3,29 la livre, mais tu vois, cette semaine, il est 4,49 la livre. Hein, que c'est ça? Ou 9,90 le kilo. Bon, c'est sûr que c'est pas mon 3,99 et moins. Hein, c'est ça que c'est pour moi, c'est un vrai rabais. Mais quand même, c'est pour te montrer que quand même, éventuellement, on sait, là, on sent là, que les rabais, bon, ils vont être de moins. Ils l'ont dit de toute façon au début de l'année, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit en ce moment. Que les prix vont augmenter. Ben, est-ce que c'est un signe? T'sais, à chaque semaine, je regarde ça, là, puis en tout cas, je n'ai pas aimé ça de voir ça, 4,49. Mais quand même, c'est un bon prix, là. C'est sûr. Hein? C'est juste que c'est pas 3,99 la livre. C'est tout. Écoute, c'est ça qui est ça pour chez Métro cette semaine. Écoute, j'aimerais ça en profiter, là, puis je te conseille. On est-tu chanceux, là, d'avoir des gens en ce moment qui travaillent dans les épiceries? Même mon propre fils, il est un emballeur chez une de ces épiceries-là. Puis vraiment, c'est sûr que ça m'inquiète toujours un peu, mais quand même, il faut qu'on continue. Puis c'est nos héros, comme dirait M. Legault. Puis vraiment, là, moi, quand j'y vais, je manque pas de dire à la caissière, hey, merci d'être là. C'est gentil, merci, fais attention à toi. T'sais, un petit sourire, être patient, t'sais, de comprendre qu'elle, là, elle envoie là, des. Ça n'arrête pas là, t'sais, dans toute une journée, fait qu'elle est à risque tout le temps, tout le temps. Puis ça, ben écoute, ça nous prend ces gens-là pour qu'on puisse continuer à faire l'épicerie, nous autres, là, parce que si tout le monde qui travaille à l'épicerie, ils sont malades. Même s'ils ne veulent pas faire mes épiceries, il faut que ça prenne du monde. D'ailleurs, tu sais, là, avec toutes les mesures qu'il y a, il y a bien des gens qui cherchent de l'emploi rapidement. Je sais que dans les grandes surfaces, comme les Provigo, IGA, partout, les quincailleries, ils cherchent du monde. Fait que si tu veux te dépanner, attends que tu reprennes ta job normale, ben, des fois, ça peut-être te dépanner. Fait qu'écoute, regarde ça, hein, c'est sûr, mais reste surtout, protège-toi. Puis profite quand même de ce temps-là. Hein. Dans chaque épreuve, il y a des choses à apprendre. Puis c'est ça qu'on est en train de faire, là. Fait que sur ça, je te souhaite bien sûr une belle journée, une bonne semaine. Puis surtout, je t'envoie un beau bisou de papa popote pendant que je peux. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de papa popote.